Vu, frère, qu'est-ce que c'est? Bonjour monsieur. Monsieur? Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon frérot Fafa TV. Vous le connaissez, on fait des vidéos ensemble sur sa chaîne YouTube. Les liens sont en description. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va vous laisser un peu sur le cul, je pense. On est devant une église, bien entendu. Une église tout à fait respectable. On ne dira pas le nom pour pas que cette église ait des problèmes. Beaucoup de gens nous ont signalé qu'à cette église, une personne venait et postait des vidéos sur les réseaux en faisant n'importe quoi dans l'église. Apparemment, la personne s'amuse à fumer, s'amuse à faire des twerks comme l'autre mongolien qui passe dans TPMP. Je ne dirais pas son nom non plus pour aller faire de la pub. Et à ce qui paraît, il s'amuse à faire plein d'autres choses qui dégraderaient l'image de l'église et l'église elle-même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans l'église avec Fafa et mon caméraman. On va poser des caméras cachées à l'intérieur et on va attendre toute la journée pour voir ce qui s'y passe et pour voir si la personne en question vient pour faire des TikTok ou pour faire des snaps ou toute autre connerie de ce genre. Avant que la vidéo soit tournée, sachez que ça peut durer longtemps parce qu'on ne sait pas si la personne peut venir ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la personne vient régulièrement. Donc il y a de fortes chances qu'on tombe dessus aujourd'hui. Donc on va rentrer dans l'église, on va mettre les GoPro et on va attendre tranquillement dans la voiture en attendant qu'il se passe quelque chose. Et si on voit quelque chose de fou, on interviendra et on arrêtera la personne en question et on fera en sorte qu'elle ne recommencera plus. Bon visionnage à tous et à de suite. Ce mec il est très bizarre, frérot. Ce mec il est très bizarre. Ouais, il est à l'église, frère. Vu comme il est habillé et tout, c'est bizarre. Il correspond plus à la description des gens de ce qu'ils ont dit. On va attendre un peu, on va voir ce qu'il fait. Non, c'est bizarre. Le comportement est vraiment bizarre, frère. Pourquoi il s'assoit pas? Je sais pas ce qu'il fait. Il tourne? Je sais pas ce qu'il fait, frérot. Ah, c'est lui. Regarde, regarde, regarde. C'est lui. Piste. Prends son téléphone. Il est bizarre, il est bizarre. Rien, il regarde de partout s'il n'y a pas des caméras. Ah, c'est un mec chelou. Même tu vois son regard que. Ouais, il est bizarre. Il est hésitant, tu vois. C'est lui, regarde, il twerk et tout. Mais non. Maman, les gens, mais. Frère, il est en train de pisser. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de pisser ou quoi? Il fait quoi, gros? Oh, il est en train de pisser, on est d'accord. Il est en train de pisser, frère. Mais je vais lui arracher la tête. Ah mais frérot. Tu lui fais du mal. Gros dans une église, mais c'est. Bien simplement qu'on attend qu'il sorte. On reste ici, on attend qu'il sorte. Dès qu'il sort, on l'attrape. Donc là les amis, ce qu'on vient de voir, c'est n'importe quoi. C'est des choses qu'on ne devrait pas voir, ça ne devrait pas exister. Donc là, on ne va pas faire n'importe quoi dans l'église parce qu'il y a du monde, on ne va pas faire remarquer. Par contre, quand tu vas sortir, on va la choper. C'est lui ou pas? C'est lui? C'est lui. Ouais, il est où? C'est ça, c'est lui? Il est où? Oh putain, il est là-bas, viens. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Ça t'amuse de faire le truc dans l'église? Pardon? Ça t'amuse de faire le truc dans l'église? Je connais pas. Ça t'amuse de faire le truc dans l'église? Doucement, doucement. Non, pas doucement. Lève tes mains. Lève tes mains. Ça t'amuse de faire le truc dans l'église? Ça t'amuse? Lâche-moi, c'est bon. Non. Non, 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 pas s'il vous plaît. C'est quoi cette caméra? Tu peux la. Non, 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 cours, on tourne. Non, attends, attends. Attends, tu t'amuses à filmer dans les églises? On est d'accord? Non. Comment ça, non? Donc j'ai la preuve. Si tu racontes. C'est quoi ça? Tiens, regarde. C'est quoi ça? C'est pas toi ça? C'est pas toi ça? Regarde. Je suis le seul sur terre à avoir peut-être ce t-shirt. Bah, arrête, arrête. Je vais te mettre un coup de tête, arrête, arrête. Je vais te balayer devant la caméra, arrête. Ça t'amuse toi? Alors, donc nous on doit pas te filmer, mais toi tu pourras te filmer dans l'église, c'est ça? Ça t'as pas. Faire n'importe quoi. Là nous je t'explique, on est suivi par des millions de gens. D'accord? On est suivi sur tous les réseaux, sur Facebook, sur YouTube. Pourquoi tu fais ça? Tu veux que je te pisse dessus? Pour le buzz, je fais ça. Quel buzz? Quel buzz?
Ah bah t'as vu le mec qui a fait la vidéo? Quelle vidéo? Bah le mec qui torchait dans l'église en croque-temps. Ouais, eh ben. Bah je vais faire pareil que lui. Pourquoi tu fais pareil? Bah comme ça je passe. T'as pas vu qu'il est testé par la France entière ce mec? Ça, ça c'est qu'un détail, je m'en fous. Mais au moins je passe dans les plateaux TV. Maman, il a pas de cerveau. Je peux, tu vois, ça peut mourir. Mais vous voyez? Vous voyez, c'est malheureux. Hein. Mais arrêtez d'inviter ce genre de gens sur des plateaux de télé. Arrêtez de parler de tous les médias. Arrêtez de parler de ces gens-là. Donc toi tu veux faire comme lui? C'est ça. Et ben moi je veux montrer à tous les gens que je vais leur passer l'envie de faire comme ça. Allez, viens avec moi. Donc toi tu fais des trucs comme ça. Non, tu as pissé dans l'église, Tu as pissé dans l'église. Ouais. Tu as pissé dans l'église. Ouais. Mais tu t'es filmé en pissant? Non, ça non. Mais pourquoi tu as fait ça alors? Oh, tu sais que tu es en train de nous salir notre religion à nous là, tu vois. Tu es au courant? Tu es au courant? C'est ma religion à moi que tu es en train de me cracher dessus là. C'est comme si tu me pissais dessus à moi, tu pisses sur tous les chrétiens là. Non, j'ai pas pissé sur toi, j'ai pissé. T'as pissé sur notre religion, c'est comme si tu pissais sur tous les chrétiens. J'ai envie de l'éclater, frérot. J'ai envie de l'éclater. Eh ouais, le touche pas, tu le sais. Ouais, on est en France, on n'a pas le droit de le toucher. Ouais, on n'a pas le droit de le toucher, c'est merdeux là. C'est quoi le délire là? Tu vas passer sur la télé, tu vas passer sur ma chaîne YouTube, ça va commencer. Mais regarde. C'est bon, alors je peux pas. Non, non, non. Arrête-toi. Un conseil, arrête-toi. Je te le dis, je rigole pas avec toi. Arrête-toi. Si vraiment je serais violent, mon pote, tu pourrais même plus parler à l'heure qu'il est. Donc regarde ce que je vais te dire. Soit tu viens avec nous et on trouve un arrangement, ce que tu veux. Soit, c'est simple, la vidéo, on la met sur internet et on monte ton visage. Tu voulais faire le buzz? Tu veux faire le buzz? C'est ça que tu voulais? Je te parle, réponds-moi! Je te parle! Tu voulais faire le buzz? Là, j'ai pas envie de faire le buzz. Là. T'as pas envie de faire le buzz? Non. Ah, t'as pas envie de faire le buzz? Eh ouais. Tu veux pas qu'on sache que t'as pissé dans l'église, toi, RK? Tu veux bien, mais. Eh ouais, t'as peur de te faire lyncher par toute la France? C'est ça? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Trouve-moi la solution maintenant, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi, c'est bon, excusez-moi. Je m'excuse, ben, même devant la caméra, je m'excuse d'avoir fait ça. Et je suis désolé. C'est trop facile, qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu crois ça, c'est excuse. On va se contenter de ça, des excuses. Mais qu'est-ce que je vais faire de plus? Je sais pas. Moi, j'ai une petite idée. Tu vas venir avec nous, d'accord? T'inquiète pas. On va pas être violent avec toi, mais tu vas te rappeler à vie de ce que tu as fait, d'accord? Donc là, les amis, tu viens avec nous ou pas? Ah oui, hein, je viens avec vous. Voilà. Donc il va venir avec nous et on va lui faire une petite sentence façon camoff. Mais on va faire en sorte qu'il s'en rappelle toute sa vie, d'accord? Donc les amis, après négociation avec notre ami qui s'amuse à faire n'importe quoi dans les églises, on a décidé, comme sentence, de lui faire un tatouage, la croix de Jésus, sur le corps. Bien entendu, il est d'accord avec nous, parce que c'est soit ça, soit on met son visage sur Internet, et je pense pas que mettre ton visage sur Internet, ça te plaise. Et que toute la France te... Ça. Voilà, on va éviter ça. Hein. Donc, je vous amène chez Tattoo Art Pew, qui se situe à Plaine de Cuques. C'est mon tatoueur. Et en plus de ça, c'est le meilleur de la région. Allez, venez, je vous montre un peu. Ça va, bon, tu vas bien? Ça va. Et toi? Les câbles? Ouais. Ça va. Ça va. Je te ramène ce jeune homme là. Bon, mais je t'explique l'histoire. En fait, c'est un mec, il était dans une église et il commençait à se filmer, à faire comme l'autre mongolien là, sur TPMP et tout, là, tu sais. Ouais. Et il a même pissé dans l'église et tout, donc voilà. Bref. Tu es OK pour le faire? Pas le choix, hein. Ah, t'as le choix, hein? T'as le choix, mec, hein? C'est soit c'est comme tu veux, soit on te balance ta gueule. Sur internet, non. Donc t'as le choix en fait. Non, donc tu dis quoi? Faire le tatouage. Dis pas que c'est pas les choix. Non, j'ai fait le tatouage. Tu choisis de faire le tatouage? Oui. Bon, bah, écoute. Allez. Il choisit où il veut le faire, hein. S'il veut le faire sur le front, c'est encore mieux. Alors, tu veux le faire où le tatouage? Je vais le faire là, hein. Comme ça, il se voit pas trop. Ouais, il se voit pas trop. Moi, je te l'aurais fait en plein sur le front, tu vois. Tiens, quel âge? 20 ans. 20 ans? La génération de perdu. Hein. 20 ans et tu vas dans une église pour faire des twerk en plus. C'est un frère. Pour le buzz. Ouais, pour le buzz. Eh ouais, pour le buzz. Bah, regarde, tu vas te faire tatouer pour le buzz. Estime-toi heureux, on te fait le. C'est cadeau. C'est pas, tu payes pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles plus, tu stresses? Un peu quand même. Un peu. Eh ouais. Faut y penser avant de faire tes conneries dans les églises. Hein? Et les amis, je tiens à préciser que là, on va faire le tatouage en direct. Les gens, ils peuvent pas dire c'est pas vrai. Moi, à chaque fois que tu te déshabilleras devant le miroir, tu prendras la douche, tu verras la croix. Hein? La prochaine fois, si j'entends quoi que ce soit, que je t'achope encore en train de faire des conneries dans les églises,
Là, ça sera différent, d'accord? C'est dommage que vous voyez pas sa tête. Ça picote un peu, mais ça va. Ça picote un peu. Ah, par contre, fais pas trop le malin parce que je vais te mettre la croix sur la tronche, je vais te la mettre. Sur le front, on va te la faire. Je suis sincère avec toi. Non, mais si tu n'essaies pas d'être sincère avec moi, ne parle pas avec moi. Fais le tatouage, après tu dégages. La chance qu'on ait un bon tatoueur qui te fasse pas une bite à la place de la croix. En tout cas, merci pour le tatouage. Hein. Un conseil, arrête de me narguer, je te le dis. Marco, qu'est-ce que tu en penses, toi, des gens qui font ce qu'ils font? C'est pas bien du tout. Ah, ils font ça pour faire le buzz. Depuis que l'autre il a fait ça, ben. Eh ouais. Ben, truc religieux, faut pas faire tout ça. Ah, mais tu le vois, il a pas de cerveau. Il réfléchit pas, le mec. Tu le vois, de toute façon, ça se voit, ça trop léger qu'il a pas de cerveau. Allez, vas-y, c'est le moment de vérité. Allez, prends. Non, comment on fait ce truc de merde là? Je sais pas, une tête de mort ou un truc satanique, mais pas ça. Hein. Mmh. Et là, au moins tu la donnes ta peau. Ben, voilà, je suis dégoûté. Mais... Pourquoi tu es dégoûté? Je vais pas y croire de Dieu, moi je crois pas en ça. Ben, alors si tu crois pas en ça, tu rentres pas dans les églises. Voilà, t'as rien à foutre dans les églises. Voilà, maintenant, comme ça, au moins tous les matins, tu te lèveras. Quand tu te mets, tu iras à la douche, que tu te regarderas dans le miroir, tu verras la croix. Ça te rappellera tes conneries. Voilà, c'est tout. Si t'es pas content, c'est pareil en fait. C'est soit ça, soit tu m'as sur internet. Ouais, ça. Je comprends pas, en fait, y a un truc que je comprends pas. Tu veux faire le buzz? Tu veux faire le buzz? Et là, tu veux pas comment t'en... C'est ça, j'ai un truc que je comprends pas. Parce que si tu fais le buzz dans une église, tu montes ta tête, non? Pas de cerveau. Quoi, vas-y, réponds. Non, je me foutrais. Vas-y, Marco, vas-y, allez, qu'on en finisse parce que je suis en train de m'énerver. Je vous dis pas merci en tout cas, j'aurais voulu autre chose. Mais bon. Lui, tu lui as dit ce que tu voulais, t'as fait ce que tu voulais. Hein. Non, c'est toi, t'as choisi pour. C'est moi qui choisis, mais t'es d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. Ouais, ouais. Elle est belle la croix, hein. Mm. Elle te plaît la croix? Non. Non? Te plaît pas, hein? La croix sur le corps, s'il te plaît. Paradis avec ça. Génération de fous, frère. Génération perdue. Je te remercie, gros. Et de toute façon, regarde, je finis avec lui. Et après, je repasse juste pour me finir le tatouage qu'on a fait la dernière fois. Hein? J'arrive, je reviens. Venez avec nous, venez. Et maintenant, je vais t'expliquer. Parce que là, tout à l'heure, tu étais en train de me faire le match. Tu me dis, ouais, ça fait pas mal. Merci, machin. Tu me nargues. Oh, ne me nargue pas, moi. T'as compris? Je te le dis là. Par contre, tu as remarqué, non, je vais te mettre un coup de tête. Je vais te mettre un coup de tête, ferme ta gueule. Ferme ta gueule parce que tu me disais trop que. Mais qui grille toi? Mais arrête. S'il te plaît, c'est bon, tu m'as fait le tatouage. Je t'ai fait le tatouage, alors écoute-moi. Je suis une croix de merde, donc c'est bon, je peux partir. C'est bon, voilà. Je vais le déchirer. Dis pas croix de merde. C'est bon, j'ai compris, ça va, désolé. Ta gueule. Désolé d'avoir pissé dans l'église, désolé d'avoir fait... Mais t'entends, c'est pas... Désolé, rien que ça, c'est des paroles qui devraient même pas dire désolé d'avoir pissé dans l'église. Écoute-moi, là, maintenant, tu fais plus le malin. Tout à l'heure, on était à l'intérieur, je voulais pas faire remarquer. Si tu veux pas que je te tire un coup de tête maintenant et qu'on éteigne la caméra, ferme-toi. Tu as compris? Tu vas partir, mais... que je te revois jamais dans une église. Tu as compris? Jamais. C'est pour prier? Jamais. Même pas pour prier. Tu rentres plus, tu es banni. D'accord? De toute façon, tu n'iras pas au paradis, toi. Tu iras en enfer direct. Maintenant, tu te dégages et je ne veux plus jamais te voir ici. Tu as compris ou pas? Ok. Tu as compris? Ça va, c'est bon. C'est bon, je peux partir? Et casse-toi. Fils de p***. Regarde, avec son t-shirt qui dépasse, regarde ça. Regarde ça. Là, ce gros mongolien de p***. Bon, les amis, nous, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Ne faites pas comme cet abruti à aller dans les églises, à faire n'importe quoi. Parce qu'un jour, là, il tombe sur nous, c'est gentil, mais un jour, il va tomber sur quelqu'un, il va lui arracher la tête. Et à tous ceux qui voudraient faire pareil, si vous ne voulez pas un jour vous faire arracher la tête, ne faites rien. Parce que là, dans aucun lieu religieux digne de ce nom, vous faites ça. Vous ne rentrez pas dans les mosquées, vous ne rentrez pas dans les synagogues, vous ne rentrez pas dans les églises, vous ne rentrez nulle part. Vous respectez. Si vous rentrez, c'est pour respecter, c'est pas pour faire autre chose. Voilà, donc le message, j'espère qu'il est clair. J'espère que ça ne donnera pas envie à certains et que ça en calmera quelques-uns qui veulent faire le buzz, comme l'autre mongolien qui passe sur TPMP. Hein? Cependant, les amis, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi à 18h pour un tout nouveau prank ou une expérience sociale. N'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne de Fafa TV qui fait des vidéos et des pranks avec moi également. Et j'espère que vous partagerez cette vidéo un maximum pour. Que les gens voient qu'il ne faut pas faire n'importe quoi dans les lieux sacrés. Et si ça peut calmer quelques-uns, c'est encore mieux. Ciao.